sur Friends. Yes. Welcome, welcome, bienvenido, bienvenito, bienvenue sur Friends. Aujourd'hui encore, on se retrouve pour aborder un thème. Je suis imparfait. Et alors? C'est quoi votre problème? Et alors? Et pour répondre à cette question aujourd'hui, j'ai un merveilleux public sur le plateau. Le public sur le plateau et on a des chroniqueurs. Waouh, regardez les couleurs, regardez la symbiose chromatique des couleurs. Waouh, alors on a quelqu'un en jaune, en rouge, en bleu, on a un vendeur de footlocker. Waouh, on est vraiment waouh, c'est voilà. Alors on va présenter un peu les chroniqueurs, on va aborder ce thème là qui va vraiment vous bénir. Yes. Vous allez voir, on va parler d'évolution, de progression, de croissance, de transformation. Alors nous avons à ma droite le meilleur des vendeurs le meilleur des chroniqueurs. Vendeur de footlocker, Willy. Attends. On a ouvert Willy Bissap, on avait Willy Bishop, on avait Willy Big, on avait Willy B Steel. Uh-huh. Avec footlocker, faut Willy ou quoi? Willy B Foot. Jordan. Willy B. D'accord. On a William. On a William sur le plateau. On a William. Rappelle-moi de ne plus jamais te demander de problème. Et on a à sa droite, on va l'accueillir. Alors, c'est la petite nouvelle. The little new people. Wow. La petite nouvelle de Fresh, on l'appelle. Alors, vas-y, je te laisse présenter. Quels sont tes prénoms? J'ai dit tes prénoms. Ah. Alors, vas-y, dis-nous. Non, appelez-moi Faustine. Appelez-moi Faustine, ok. Oh. C'est quoi ton deuxième prénom? Océane. C'est quoi ton troisième prénom? Ah non, je vais pas sur ce terrain. C'est quoi le troisième prénom? C'est Fleurissette. Allez, c'est Fleurissette. Voilà. On déballe tout aujourd'hui. Oh, c'est Fleurissette. Elle est pas fleuriste. On a qu'un pour Faustine. Yeah. La nouvelle chroniqueuse de Fresh. Ah, en face de Faustine, on a... Waouh. Je n'ai qu'à moi, c'est William Genet. Waouh. Plus les mots. C'est un deuxième prénom? Yes. C'est quoi? C'est William. C'est William? Ouais. Non. Oh, on a Cameron William. Oh. Et à sa droite, on a... Waouh, elle a une barrette. Montre ta barrette. Oh là là. Waouh. Wow. Habillée tout en jaune. Waouh, waouh, waouh. Pour attirer les abeilles. Waouh. On a Indy Milaik Indira. Yeah. Et moi-même, Rémi de la Iglesia. Yeah. Aujourd'hui donc, nous abordons ce thème-là. Je suis imparfait et alors. Bon. Et alors? Willy B.I.G., Willy Bissap, j'aimerais déjà me concentrer un peu sur toi et te poser une question. Je suis imparfait et alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce titre d'émission? Parce que c'est bizarre un peu. Mmh. Dis-nous un peu, qu'est-ce qu'on a voulu dire par là? On a voulu dire par là qu'on est imparfait. Mais alors, ça veut quoi? Waouh, tu m'éclaires vraiment de soucis. Pour développer, tout simplement, c'est qu'il y a un processus. Ouais. Et dans la vie, il y a des processus pour toutes choses. Ouais. Yes. Et que même si on est imparfait maintenant, bah, qu'est-ce que ça fait? Parce que demain, on va devenir meilleur et parfait. Exactement. Lorsqu'on parle ici, ce thème, c'est « Je suis imparfait ». Et alors, on aimerait vous dire cela, c'est que vous êtes imparfait, nous sommes imparfaits, on a des défauts. Et alors, vous me direz « Et alors, dans quel sens ?» Dans quel sens? Dans le sens où on les assume et on se concentre maintenant sur notre croissance et notre évolution. C'est ça, Indira. C'est ça. En fait, l'imperfection, c'est pas une fatalité. C'est pas fini, en fait. C'est pas fini. J'avais regardé la définition d'imparfait et il y avait une définition qui disait quelque chose qui n'est pas achevé. Okay. Donc quelque chose qui n'est pas fini. Ok, attends. Attends, là, tu ça c'est très très bien. Quelque chose qui n'est pas achevé. Ça c'est très très bien. Mais imparfait, qu'est-ce que ça veut dire exactement, Indira? Ou du moins, est-ce que nous sommes tous imparfaits ou dans quel sens? Bah, ça veut dire qu'en fait, on a tous, je pense, une forme finale. Okay. Il y a une forme où tu es au top du top du top. Il y a une forme de toi qui est au top du top, mais comme des quand fois... tu te réveilles et quand tu sors après chez toi. Ouais, okay. Surtout moi, là. Une photo tout de suite d'Indira qui se réveille, elle ne le sait pas. Une photo d'Indira au réveil, c'est au montage. Ouais, mais en fait, c'est ça, en fait. L'imperfection, c'est quelque chose que... C'est un état dans lequel tu es, mais c'est pas fini. Voilà. En fait, le fait d'être imparfait, bon, chacun entre nous, on a un imparfait. On a un imparfait. Mais je dis pas maintenant imparfait du sens, on est des pécheurs, on est sales, on est maudits. Yes. Pas du tout, hein. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Yes. Nous sommes nés de nouveau. Amen. Nous appartenons à Dieu. Yes. Cependant, nous sommes rentrés dans le royaume de Dieu. Yes. Cependant, dans ce royaume-là, nous sommes en cours de fabrication, en cours de formation. Yes. Et nous avons encore des défauts. Nous avons encore des choses à travailler dans notre caractère, dans notre vie, dans notre comportement, dans un bon nombre de choses, William. Et du coup. Je rigole. Nous avons plein de choses à travailler. Nous sommes alors imparfaits, mais nous tendons vers la perfection. Yeah. C'est vrai.
en fait, on est comme des pierres précieuses. Ouais. C'est-à-dire qu'au début, une pierre précieuse, bah, il n'y a pas trop d'utilité, en fait. Mais quand on casse, après, ça devient un diamant. Ça devient un diamant. C'est vraiment ça. Nous, on a comme une coquille. Comme une coquille. Cassé, et après, on devient parfait. Et ce qu'on dit, William, c'est qu'il faut assumer le fait qu'on est imparfait. Yes. Mais il faut tout de même croire qu'en nous se cache la perfection. Yes. Et qu'avec le temps, avec X, Y chose, la perfection va sortir, Cameron. C'est ça. Et j'aimerais ajouter quelque chose. Rajoute. Parce qu'il y a le bounce. Ah, c'est ça. Il y a le bounce, Cameron. Le bounce. Je bounce. Non, t'inquiète. Okay. C'est que j'aimerais rajouter quelque chose par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. C'est qu'on est de nouveau. Et lorsqu'on accepte Jésus, pardon, on est de nouveau. Et on reçoit un nouvel esprit. Ouais. C'est on reçoit le Saint-Esprit dans notre esprit. Voilà, c'est ça. Et notre esprit est formaté. Mais on n'est pas automatiquement parfait, en fait. Ok, amen. Parce que j'aimerais dire que, comme l'apôtre l'a dit, l'apôtre Alain Patrick Tsengue, c'est que la vie chrétienne, c'est une petite école. La vie chrétienne, c'est une école. On apprend exactement. C'est qu'au fur et à mesure du temps, on se perfectionne justement au fur et à mesure du temps. Par rapport aux choses qu'on va vivre, par rapport aux enseignements qu'on reçoit. Et ça nous édifie, ça nous fait grandir spirituellement. Ça nous fait grandir spirituellement. Ça nous fait grandir parce que là, c'est très intéressant ce qu'il dit quand il parle d'école. Parce qu'en fait, naître de nouveau, c'est rentrer dans l'école. Mais ensuite, dans l'école, on progresse, on avance. On rentre dans l'école avec nos défauts, avec nos imperfections. Et Dieu sait qu'on a des imperfections à travailler, n'est-ce pas? On a des choses dans notre caractère, dans notre trame dans un bon nombre de domaines de notre vie, des choses à travailler. Mais lorsqu'on est de nouveau Cameroun, comme tu le dis, on rentre dans l'école, mais c'est là alors que le vrai travail commence. C'est pour ça qu'on vous dit, vous êtes imparfait, personne jusqu'à là n'est parfait si ce n'est Christ, mais nous tendons vers la perfection. Notre but, ce n'est pas dire oh là là, je suis parfait, se mentir à nous-mêmes. Non, notre but, c'est dire voilà, je suis encore imparfait, j'ai encore des choses à travailler, mais t'inquiète pas, je les travaille jusqu'à ressembler pleinement à Jésus. Parce que j'aimerais même rajouter quelque chose, c'est que nous ne sommes pas parfaits et on va le devenir, en fait. On va le devenir. C'est ça. Et il y a un verset dans la Bible qui dit... vers le fait de le devenir. C'est ça. Et il y a un verset dans la Bible que j'aime beaucoup, c'est Matthieu 5, 48. Ouais. C'est que il va être dit que nous ne sommes pas parfaits, mais nous allons le devenir parce qu'on veut ressembler à notre Père Jésus. On ressemble à notre Père, Et lui est parfait. Lui est parfait. Yes. Ça bounce ici. C'est ça, pour bounce un petit peu sur ce qu'il vient de dire. Yes. Et c'est vrai, il a parlé de ressembler à Jésus. Et en fait, on a reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est parfait, en fait. Et on l'a reçu à 100% en nous. Donc ça veut dire que la perfection, en fait, elle est en nous. Et donc quand on dit qu'il faut ressembler à ça, c'est ressembler au Saint-Esprit qui est au-dedans de nous. Ressembler à Christ en nous. En fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'on accepte Jésus. Jésus vient vivre en nous. Mais le but ensuite, c'est qu'à terme, on puisse évoluer. Et que nous, être imparfaits, ce parfait qui est en nous, puisse se manifester. Se ressortir. Oh, laisse Faustine, faut bounce aussi. Ici, c'est la voix d'argent, vas-y, bounce aussi. Faut bounce. Oh, le premier bounce, c'est Faustine. Du coup, comme vous le dites, on parle d'évolution, on parle d'imperfection, et j'aimerais dire en fait que nos imperfections aussi peuvent être un tremplin en fait. Être un tremplin, nous aider en fait à aller en fait vers cette perfection. Aller vers cette perfection. En fait, nos défauts, nos faiblesses, c'est pas seulement en fait pour, comment dire, nous dire ouais toi t'es comme ça mais non en fait pas du tout, ça peut t'aider même en fait à aller en fait vers ta destinée. Aller vers ta destinée, exactement. Il faut les reconnaître, il faut les assumer, en fait. C'est ça. C'est comme ça qu'on évolue d'ailleurs, vraiment. J'aimerais dire quelque chose qu'elle a dit qui m'a fait penser à quelque chose que tu avais dit. Oh là là my god. Attends, tiens, du coup tiens. Ouais, en fait, non, en fait, elle a dit qu'en fait, nos imperfections peuvent être un tremplin. Et une fois, tu avais dit que souvent, ceux qui entendent le mieux la voix de Dieu, c'est ceux qui, au départ, ne l'entendaient pas bien. Parce que du coup, non, ceux qui enseignent le mieux à l'entendre. Parce que du coup, comme ils ont galéré pour l'entendre, au final, lorsqu'ils l'entendent, ils savent comment l'enseigner. Ils savent comment ils ont trouvé à l'entendre. Voilà, c'est ça. Et du coup, ils peuvent mieux l'expliquer. Et je trouve que les imperfections, c'est ça, en fait. C'est... comme j'ai un défaut dans ça, je l'améliore et ensuite je peux aider d'autres personnes qui ont des imperfections à devenir comme moi. Et ça peut même être un tremplin donc pour les autres, Faustine. Ça peut être un tremplin pour les autres. Mais maintenant, regardez bien, on entre donc dans le royaume de Dieu. On est des êtres imparfaits, mais on tend vers la perfection. La perfection, en gros, c'est ressembler à Jésus. Le but de la vie chrétienne, c'est ressembler au maximum à Jésus. C'est ça, le but de la vie chrétienne, c'est pas être là et aller à l'église. Le but de la vie chrétienne, c'est ressembler à Jésus et accomplir le pourquoi on est sur la terre. Le but de la vie chrétienne, c'est devenir celui que Dieu a prévu qu'on devienne, n'est-ce pas? Mais entre ce
celui que je suis et celui qu'il veut que je devienne, il y a un temps entre les deux. Wow. Il y a un temps de formation, il y a un temps où mon imperfection est corrigée, il y a un temps où mes défauts sont travaillés. Et dans ce temps-là, tant que je n'assume pas que j'ai des défauts et des imperfections, ça n'a jamais travaillé. Et aussi, la Bible va dire une chose, elle va dire que quand on vient dans le royaume de Dieu, on est un enfant. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que l'enfant doit devenir fils, en fait. Et la Bible dit que... Doucement, frère, là, tu vas dans... Vas-y, frère. Donc du coup, les bichons. On est un enfant. Pas créma. Vas-y. Amen. Et quand on est un enfant, la Bible dit que quand on est un enfant, en fait, on n'est pas différent d'un esclave. Ok. On va aller doucement, William. Ok, donc comment dans le royaume de Dieu, on a un enfant, il faut apprendre. Il faut apprendre. Amen, William. Ah, voilà. Il faut apprendre. Et du coup, il faut apprendre pour pouvoir évoluer en maturité. Amen. Voilà. Et quand on évolue en maturité, en fait, simplement, on arrive à un niveau où après, on va devenir... Et Camille n'a pas vu. Camille a laissé une bounce. En fait, tu l'as appuyé avec sa petite main, là, ça fait. Non, frère, appuie vraiment, mon frère. Appuie vraiment. Ouais, mais frère, casse pas la table non plus. Bon, vas-y, là, il va parler. Frère, là, t'as intérêt à parler, frère. Vas-y, dis-nous. Je voudrais rejoindre sur ce qu'il a dit par rapport au fait qu'on est des enfants et on apprend. C'est que nous sommes chrétiens. Et chrétien, c'est quoi? C'est être disciple de Jésus. Et c'est qu'au fur et à mesure de notre croissance, que lorsque justement on va apprendre à ressembler à Jésus, en fait, c'est là qu'on va commencer à devenir parfait. Parce que justement, le maître, c'est Jésus et nous sommes ses disciples. Autrement dit, sa perfection va déteindre sur nous. Amen. Et c'est pour ça que nous allons devenir parfaits parce que nous sommes des disciples de Jésus. Sa perfection va déteindre sur nous, va nous ressembler de plus en plus. J'aimerais dire que lorsqu'on parle d'être parfait, on ne parle pas de d'être là. Lorsqu'on parle d'être parfait, j'aimerais aussi définir cela, c'est que on parle d'être celui que Dieu veut qu'on soit. Yes. Lorsque vous acceptez Jésus, vous êtes imparfait, mais vous recevez en vous un être parfait, le Saint-Esprit. Et le but de ce Saint-Esprit-là, c'est de vous travailler, de vous former jusqu'à ce que vous deveniez pleinement celui qu'il vous appelle à devenir. Non mais du coup bon. Du coup j'ai pas fait exprès moi. C'est ma première émission, je voulais pas te casser. Vas-y. Non, c'est pour ça. Du coup c'est pour ça qu'il faut prendre conscience qu'on a le Saint-Esprit en nous. Parce que parfois lorsqu'on fait face à nos défauts, à nos imperfections, on se dit mais comment je vais pouvoir changer ça, comment je vais faire pour pouvoir changer pour pouvoir changer ça et tout. Et du coup, en fait, il faut que tu laisses le Saint-Esprit t'aider. Il faut que tu puisses reconnaître. Il faut que tu puisses reconnaître en fait que oui, tu as des faiblesses. Il faut que tu ailles dans sa présence et que tu lui dises Amen. J'ai des faiblesses. Aide-moi à changer ça. C'est ça parce que. Vas-y. Oui. Vas-y. Et du coup, même dans 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens 12, au verset 9. Ok. Il dit ma grâce te suffit. Et en gros, c'est dans tes... Il dit ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Voilà, c'est ça. Wow. Exactement. Ma puissance, en fait, s'accomplit en fait dans tes faiblesses. Mais c'est là que, en fait, lorsque t'es faible, en fait, Dieu se glorifie encore plus. Parce que Dieu aime les choses incomplètes, en fait. Dieu aime les... Pour les compléter. Ouais, Amen. C'est ça. Dieu aime les choses incomplètes. Dieu aime. En fait, Dieu, c'est un Dieu, il aime la folie. Le challenge. Parce qu'il y a un truc qu'il faut qu'on comprenne, c'est que dans le monde, il y a un standard de perfection à fournir. On doit être beau, on doit être belle, on doit être... Bon, gloire à Dieu. Mais on doit être comme ci, on doit être comme ça, on doit être comme ça, on doit être comme ça, comme ça, comme ça. Yes. Et du coup, en fait, ça nous pousse à essayer au maximum d'être parfait sans assumer nos imperfections, ce qui nous empêche au final de l'être. Parce qu'on devient parfait. Tu as dit tout à l'heure que... tu as dit quoi avec ton truc de fabriquer là, c'est quoi? Quelque chose d'imparfait, c'est quelque chose qui n'a pas encore été achevé. Qui n'est pas achevé. Guys, il faut reconnaître, voilà, et comme tu dis, dans la présence de Dieu, les reconnaître. Voilà mes fautes, voilà mes erreurs. Je les regarde, ok. Donc je dois travailler sur ça, ok. Seigneur, il faut qu'on travaille sur ça, ça. Parce que je ne suis pas encore achevé. Mais je tends à l'être. C'est ça. Wow. La première étape, je pense, pour devenir parfait, en gros, c'est déjà assumer qu'on n'est pas parfait. Parce que assumer qu'on n'est pas parfait. Un truc, c'est...
lorsqu'on est enfant, des fois, par exemple, on va casser un verre et on va essayer de cacher le fait que le verre est cassé, que le vase est cassé. On va mettre genre du scotch et tout pour essayer de recoller. Et après, nos parents vont voir que mais t'as cassé le bail, mais arrête de faire ça. Et des fois, en tant que même en tant que chrétien, genre je pense que certains jeunes chrétiens ou même jeunes en général ont la pression dans le sens où il faut que je sois parfait, surtout avec les réseaux. Donc ils n'assument pas leurs erreurs. Exactement. En fait, l'image est plus importante que ce qui se passe réellement. En fait, la couverture du livre est plus importante que ce qu'il y a à l'intérieur. My God, mais je vais prendre ce bain. La couverture du livre est plus importante que ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, en vérité, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. J'aimerais rebondir sur ce qu'elle a dit. C'est comme les pharisiens, ils montraient que c'était les derniers des boss. En fait, ils aimaient bien montrer que moi je suis parfait, moi je vais au temple. Moi, moi je vais au temple. T'étais où là? Moi, je fais autant. Alors, dans le fait de ne pas assumer, comme ils n'ont pas assumé leurs erreurs, leurs imperfections. Ça, en fait. Alors qu'à l'intérieur, c'était. C'est vide. C'était imparfait. C'est parce que si on parle de pharisiens, vous savez que la Bible va dire que les pharisiens savaient qui était véritablement Jésus, mais ils n'ont pas accepté de reconnaître qui était véritablement Jésus. Parce que s'ils l'auraient reconnu véritablement, leur titre là de pharisien serait un peu tombé. Pourquoi ils n'ont pas accepté de reconnaître qu'ils étaient dans le faux, leurs imperfections donc. Et au final, ils n'ont jamais progressé, ils sont restés pharisiens ad vitam aeternam. Alors que s'ils auraient admis, voilà, je suis imparfait, ce que je crois là, c'est faux, Jésus est vraiment la vérité, admettons, leurs imperfections, ils auraient tendu vers la perfection. Mais du coup, c'est là qu'on voit que reconnaître nos imperfections, il faut de l'humilité. Il faut de l'humilité. Exactement. Il faut, c'est ça qui conduit au final vers la gloire. Yes. Mais c'est l'humilité, personne n'a la gloire. Non, c'est Dieu aime ça en fait. Mm. Dieu aime ça qu'on lui parle clairement, qu'on lui parle avec notre cœur et tout, parce que dans tous les cas, il est celui qui nous connaît le mieux. Mais il nous connaît, ça sert à quoi de venir cacher les trucs? Tu peux cacher devant les hommes, non, je suis comme ça. Dieu connaît ton cœur. Yes. Frère, sœur, assume tes erreurs, assume tes imperfections, travaille-les, et elle l'a dit dans un endroit, dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est une usine de fabrication qui nous fait passer de celui qu'on était à celui qu'on est appelé à être. Guys, le challenge de la vie chrétienne, c'est réduire l'écart constamment entre celui que je suis et celui que je suis appelé à être. C'est réduire l'écart entre les deux. Et le lieu où on réduit l'écart, l'usine de fabrication du chrétien, l'usine de perfectionnement du chrétien s'appelle la présence de Dieu. C'est là-bas que le Seigneur raye ça dans notre cœur, raye ça dans notre caractère, change ça, tourne cette vis-là, tourne ce bouton, ou je sais pas quoi, ce boulon, appuie sur ce bouton, mais il nous amène à progresser. C'est la présence de Dieu. C'est vraiment fort par rapport à la présence de Dieu et par rapport à Dieu, parce qu'on dit qu'il aime ça. Pourquoi? Parce que Dieu se glorifie dans le perfectionnement, en fait. C'est-à-dire que Dieu va pas se glorifier dans le fait que ah bah t'es parfait, c'est bon. Attends, mais là tu dis quelque chose de parfait. Là, toi, aujourd'hui t'es parfait. Attendez, Dieu ne se glorifie pas dans le fait que tu es parfait fin. Parce que si tu es parfait fin, Dieu n'a rien fait dans l'histoire. Mais Dieu prend quelqu'un d'imparfait, l'amène à se parfaire. Comme ça, tu peux dire, regardez ce qu'il était au sommet. C'est même pour ça qu'on aime bien ici parler de Jacob. Ah, mais ils sont Voilà, c'est bon. Vous allez laisser finir les gens. Aujourd'hui, vous me laissez parler. Non, je vais te donner. Mais c'est pour ça qu'on parle beaucoup ici de Jacob et d'Israël. Et que Dieu va dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il dit Jacob à la place d'Israël. Parce que si Dieu disait Israël, Dieu est alors le Dieu du parfait. Mais Dieu est le Dieu de celui qui a pris l'imparfait, qui l'a ramené être parfait. C'est ça en fait. Je voulais bounce. Et c'est pourquoi on doit vraiment être le plus humble possible et reconnaître nos torts envers Dieu, qu'on n'est pas parfait mais on cherche à le devenir. Exactement. Et que, en fait, c'est important de demander dans la communication, en fait, on communique avec Dieu. C'est pas, dans la prière, dans la prière. Voilà, je veux dire dans la prière. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, je communique. Vas-y. Et c'est pourquoi c'est important de demander à Dieu sincèrement. Fais de moi que je puisse devenir parfait. Fais en sorte que vraiment je puisse être la meilleure version de moi-même. La meilleure version de moi-même, c'est ça. Quand on parle de perfection, Cameron, on parle pas d'être là, d'être vraiment le meilleur parmi tous. Non, on parle d'être le meilleur toi, en fait. C'est ça. Parce qu'il faut définir. Parce que quand on parle de perfection, on se dit waouh, my God, mais c'est le meilleur des meilleurs. Non, on n'est pas en compétition. La seule personne avec qui vous êtes en compétition, c'est vous-même. Le challenge, c'est devenir celui que vous êtes appelé à devenir. Qui Dieu veut que tu sois, frère?
Dieu veut que tu sois sœur, qui Dieu veut que tu sois maman, qui veut que tu sois, Dieu veut que tu sois papa, qui Dieu veut qu'on soit chacun d'entre nous, qui Dieu veut qu'on devienne. Il dira, qui est-ce que Dieu veut que tu deviennes? Et le challenge, c'est chercher à devenir ce qu'il a. C'est ça, non? C'est ça. Et il va dire dans Jérémie 29, 11 qu'il connaît les plans qu'il a formés sur eux, qu'il a formés. Ça veut dire que c'est des plans, c'est en formation. En fait. C'est en formation. Ça ne vient pas tout de suite. Il connaît les projets qu'il a formés. Ça veut dire que moi, j'aime ce concept-là de temps de formation. En fait. Tu es formé comme les trucs de formation là, tu connais pas. Mais en gros, quand tu arrives là-bas, tu arrives avec un certain niveau, tu ressors avec un tout autre niveau. Et je pense que c'est ce que Dieu veut pour nous. Et il a dit à Simon-Pierre, du coup, il a dit, désormais, tu t'appelles Pierre et c'est sur toi que je vais former mon église. Je vais bâtir mon église. Donc, ça va commencer bas, mais après, ça va se bâtir. Et après, tout simplement, ça va monter. Parce qu'il y a un principe aussi que souvent, on a du mal à comprendre. C'est que lorsqu'on se convertit, on veut directement entendre la voix de Dieu parfaitement. Je veux entendre la voix audible de Dieu. Je veux que Jésus me visite dans ma chambre. Je veux guérir 100 000 malades. Je veux ça, je veux avoir le caractère de Jésus directement. Guys, il y a une célèbre phrase, Rome ne s'est pas fait en un jour. Guys, l'apôtre dit souvent quelque chose. C'est qu'un bungalow, ça prend, c'est rapide à faire. Mais un grand gratte-ciel, ça prend du temps à faire. Si tu aspires à être grand, à aller loin, il y a la notion de temps à prendre. L'école nous apprend qu'il y a la notion de temps. L'école nous apprend, la nature même. Tu plantes une graine, ça devient une plante, un arbre. Et sur ça, j'aimerais bien rebondir aussi pour une chose. Même Dieu lui-même, pour faire tout l'univers, il a pris du temps. Il a pris du temps. Pour faire une œuvre achevée qui était magnifique, il a dû faire prendre 7 jours quand même. Enfin, 6 jours et le 7e jour. Parce que c'était vraiment une bonne œuvre. Voilà. Et du coup, il a pris du temps. Parce qu'il aurait très bien pu le faire en une seconde. Mais comme il voulait quelque chose de bien, d'abouti, de parfait, il a pris du temps dans ce qu'il voulait faire. Et même Jésus, en vrai. Même Jésus, il est... C'était différent du coup. T'es béni parce que tu disais, mais voilà, il dira pas. J'espère vraiment que c'est différent. Vas-y. Non, en fait, je voulais rebondir sur ce qu'elle dit. Vas-y, on t'écoute tous. C'était vraiment édifiant. Vous l'écoutez, le public, vous l'écoutez? On t'écoute. Non, je disais juste en fait. L'évolution, il a dit en gros, Dieu a pris du temps à former la terre et Jésus aussi, il a pris du temps avant de commencer son ministère. Il a commencé 30 ans de préparation. Donc, il est né en fait. C'était Dieu, pourtant, il est né d'une femme. Il a été bébé, il a été enfant et il était consacré durant son enfance, etc. Il a été formé. Même Dieu sur terre a été formé. Si Dieu même a été formé. C'est ça, parce que Dieu est un Dieu de processus. À chaque fois, on le voit tout le long de la parole. Dieu est un Dieu de processus. Et ça veut dire que quand nous aussi on arrive, si lui-même il utilise cette propre loi-là du processus, nous aussi il faut qu'on comprenne que nous-mêmes on est soumis à cette loi-là. Nous-mêmes on est soumis au processus. Celle de l'évolution. Il y a un principe dans les choses de Dieu que beaucoup, je pense, ont vraiment du mal à comprendre. C'est que les choses ne sont pas lundi, mardi, j'accepte Jésus lundi, mardi je ressuscite les morts, mardi j'entends la voix de Dieu audiblement, mardi Jésus est venu me voir mardi. Non, ça se fait de manière progressive, il y a la notion de temps. Dans l'écoute de la voix de Dieu, dans tous les domaines, il y a la notion de temps à prendre en compte. Rome ne s'est pas fait en un jour. J'accepte Jésus, je suis imparfait, il y a peut-être des défauts, il y a peut-être des erreurs, il y a peut-être des imperfections, mais avec le temps, en assumant mes erreurs et mes fautes, en reconnaissant mes imperfections et en allant les travailler, où ça? Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, l'usine de fabrication de celui que je dois être, et bien là, je vais évoluer. Tout simplement. C'est là où en plus après il y a témoignage en fait. C'est là où il y a parce que j'étais, ce que je suis. Il n'y aurait pas témoigné s'il y avait la perfection directe. Tu dirais exactement. J'étais. Voilà, c'est tout. J'étais. Alors que moi j'aimerais témoigner. Moi aussi j'aimerais dire quelque chose. Non, il n'y a pas de problème. Je suis vraiment désolé. J'étais imparfaite. Vas-y. Non, en fait, je voulais juste dire que c'est important de. Tu sais, il a tellement parlé à l'émission du Nouvel An que. Amen. Non, là franchement, sur un an, là tu peux y aller. Il a tellement. Non, mais franchement, non, mais on aurait dû appeler l'émission 2021 selon. Il y avait 4 chroniqueurs, mais il n'y avait qu'un. Vas-y. Non, je voulais vraiment dire que c'était important de dire dans la présence de Dieu, parce que parfois on pense que on dit je veux changer, mais on va pas dans la présence de Dieu. C'est comme les chrétiens qui disent ah oui, non, mais moi Dieu me parle pas, mais fais pas ta Bible, frère. Elle dit ça clash, mais c'est la vérité. Toi, tu reviens plus. Toi, c'est ta première étape. Toi, tu vas rester imparfaite là-bas. C'est le nouveau R. Mais c'est la fille d'Arsène, c'est pas possible. Frère. Waouh, ah ok, d'accord. Eh, dis donc. Non, du coup, je voulais juste dire que c'est important d'aller dans la présence de Dieu, de poser l'acte.
d'y aller, yes, en fait. Amen, parce qu'il y a un lieu dans lequel on est changé. Vous savez, j'aimerais qu'on puisse prendre ces exemples-là. Il y a tellement d'hommes de Dieu, de serviteurs de Dieu dans la Bible qui ont fait des grandes choses. Regardez, yes. Dites-moi en trois. Moïse. Pierre. L'apôtre Pierre. Jean. L'apôtre Jean. Il y a tellement, voilà, on prend ces trois grands hommes de Dieu, Moïse, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, qui sont vraiment des exemples. Moïse, yes, a séparé la mer en deux, a conduit Israël hors de l'Égypte. L'apôtre Jean, Pierre. Voilà, s'il vous plaît. Non, vous guérissez les malades. Voilà, l'apôtre Pierre, yes, qui marchait, on mettait les malades sur la rue et son ombre guérissait les malades. L'apôtre Pierre qui a vu des extases, des expériences incroyables. Il faut comprendre cela. C'est que l'apôtre Pierre, là, qui guérissait les malades avec son ombre, avant ça, c'était un pêcheur de poissons, yes, okay, qui était là avec son frère, yes, André. Il était là, Jésus passe, dit suivez-moi. Il dit ok, bon, on te suit. Hein. Yes. Et ils le suivent, ok. Il décide de tout abandonner. Il décide de le suivre. Mais c'est le même qui a également plus tard qui est tombé dans l'eau. C'est le même qui a coupé l'oreille de Malchus. Yes. C'est le même qui, au final, a renié Jésus trois fois. De plus, il était illettré. Il était donc. Yes. Bon, toi aussi, attaque pas les gens. Qui... non, mais pour montrer qu'il y a eu un processus. Il y a eu un processus. Yes. Il était illettré, mais il va écrire les lettres de Pierre qui sont dans la Bible. Donc, au final, guys, il est très ou analphabète, je ne sais pas quelle différence exactement. Mais c'était illettré. En fait, c'est quand analphabète, c'est quand tu connais pas les lettres, quoi. Non, d'accord. C'est quand tu sais pas lire. D'accord. Et bon, ouais, bon, je crois que c'est ça. Bon, il était illettré, mais God bless. Alléluia. Voilà, donc au final, il était illettré ou analphabète ou quoi que ce soit. Mais au final, voilà, il a écrit ces lettres-là qui sont aujourd'hui dans la Bible, Pierre, etc. Qu'est-ce qu'on entend par là et qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ce qu'on veut dire, c'est que c'est un processus. Yes. Yes. Vous savez, une transformation. Yes. Pour évoluer, je pense que vous devez accepter qui vous êtes maintenant. Yes. Et vous devez maintenant avoir la vision de celui que vous allez être. Yes. Yes. Vous savez, guys, vous devez suivre devant vous celui que vous allez être. C'est-à-dire que c'est compliqué un peu à expliquer, mais vous devez voir devant vous le vous que vous allez être, et c'est derrière lui que vous devez marcher. C'est derrière lui que vous devez marcher. Tu dois avoir la vision de celui que tu veux être. My God, je me souviens que moi, lorsque je me suis converti, j'étais rempli d'imperfections et de défauts. Aujourd'hui encore, j'ai 20 000 défauts. Je sais pas sur les 20 000, parce que 20 000, c'est quand même beaucoup, mais j'en ai plein. Mais je voyais devant moi celui que je voulais être, et je voyais que plus j'avançais, plus je me rapprochais de celui-ci. En fait, ça va, un jour, on a demandé à Matthew McConaughey, c'est un acteur célèbre qui a eu un Oscar, qui a tourné dans Interstellar. Vous connaissez Interstellar? Non, toi tu connais? Jamais. Ok, Matthew McConaughey, c'est un acteur, et on lui a dit, il va témoigner de cela quand il a eu un Oscar, il va dire, quand j'avais 10 ans, ma professeure m'a demandé, c'est qui ton héros? Et je lui ai dit, c'est moi dans 10 ans. Oh my God. Et 10 ans plus tard, il se reposait la question, c'est qui ton héros? Et il dit, ce sera moi dans 10 ans. Et en fait, à chaque fois, il se challenge comme ça, il a la vision de qui il va être. Yes. C'est exactement ça que vous devez avoir. Il y a celui que vous êtes maintenant, ça, c'est fou. Il y a celui que vous allez être, et entre-temps, il y a le toi que Dieu va fabriquer, que le toi que Dieu va travailler. C'est ça, en fait. Il y a le temps où tu... Bon, l'histoire avec Jésus et Pierre qui marche sur l'eau. Il y a le temps où tu vas marcher sur l'eau pour aller vers Jésus, en fait. Ouais. Simplement, et ça, c'est le temps de foi. Le temps où tu dois te visualiser, tu dois dire, attends, mais là, je vais aller marcher sur l'eau pour le rejoindre, en fait. Yes. Pour rejoindre celui que je dois être. Vas-y, oui, Cameron. C'est qu'il faut aussi avoir la maturité nécessaire pour se dire que voilà, je me visualise dans 10 ans, je lève des paralytiques, je guéris des malades, je marche sur l'eau comme Jésus. Et il faut vraiment, comme tu l'as dit, passer du temps dans la prière. Passer du temps dans la prière. Et demander ces choses à Dieu. Amen. Parce que le problème, c'est que des fois, certains, leurs imperfections parlent tellement qu'ils ne se voient pas un jour être parfaits. C'est ça. Leur transformation. En fait, c'est ça le problème. Ça manque des fois. C'est ce qu'ils sont parle tellement, ce qu'ils sont fait tellement de bruit qu'ils s'imaginent, mais comment est-ce que moi, je pourrais devenir c'est pour ça que c'est important dans cette émission que les gens comprennent que non, c'est pas une finalité de tes imperfections. Et aussi, je me dis, mais si certaines personnes s'étaient arrêtées à leurs défauts, elles seraient jamais devenues ce qu'elles sont devenues. Il faut voir plus loin, tout simplement. Il faut vraiment persévérer, comme il a dit. Guys, Dieu a une vision pour votre vie, Dieu a une vision pour celui que vous allez être. Et entre le temps où tu deviens celui que tu es appelé à être et maintenant, eh bien, et entre les temps, il y a un temps qui s'appelle le temps de la formation. De le temps de la formation. Amen. Guys, il y a l'iPhone dans la tête de Steve Jobs, et il y a l'iPhone ensuite dans les mains de Steve Jobs. Mais entre les deux, il y a la fabrication, il y a la formation dans l'usine. Il y a le toi que tu es maintenant, il y a le toi que Dieu veut que tu sois, et entre les temps, entre les deux, il y a la fabrication dans l'usine. Et on aimerait vous parler maintenant, j'aimerais qu'on parle de ce thème-là, l'usine de Dieu. L'usine qui change les pécheurs en pécheurs d'hommes. L'usine qui change son en l'apôtre Paul.
qui change ses faces en l'apôtre Pierre, qui change. Vous comprenez? L'usine. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'usine? Qu'est-ce qui se passe dans cette usine? C'est quoi cette usine, la Faustine? L'usine. Ouvre ta Bible, frère. L'usine, moi, j'aimerais dire, c'est la présence de Dieu, mais c'est la rencontre avec le Saint-Esprit. Wow. Okay. L'apôtre Paul, quand il allait sur le chemin de Damas, il a eu une rencontre avec le Saint-Esprit. Et c'est là que sa vie a totalement changé, en fait. C'est là que ses yeux sont ouverts. Et du coup, même quand Ananias est venu ouvrir ses yeux, c'était aussi spirituel. Parce qu'en fait, il a rencontré Jésus, du coup ses yeux s'ouvrent en fait. Ses yeux s'ouvrent. L'usine, c'est aussi la relation avec Dieu, la rencontre avec Dieu. Et j'aimerais rajouter par rapport à la présence, il y a la parole aussi. Parce que la Bible va nous dire que la parole de Dieu, c'est notre lait spirituel. Et le lait pour les bébés, c'est ce qui leur permet de grandir. Et donc du coup, à partir du moment où tu commences à avoir le lait, ça veut dire que tu vas commencer à grandir. Et c'est ça la formation. La formation, c'est de grandir. La formation, c'est le temps où la parole de Dieu vient te travailler. La formation, c'est le temps où dans la présence de Dieu, tu changes, tu évolues. Guys, vous savez, j'aime bien comparer la présence de Dieu au soleil. Lorsque tu es devant le soleil, qu'est-ce qui se passe? Tu bronzes. Et qu'est-ce qui se passe lorsque tu bronzes? Souvent, on se dit je noircis, je bronze. Non. Lorsque tu bronzes, en fait, tu es en train de quitter ton état pour ressembler de plus en plus au soleil. C'est ça le truc. Parce que le soleil est chaud, n'est-ce pas? Le soleil est bien bronzé, le soleil. Il est bien bronzé. Lorsque tu es devant le soleil, c'est pas seulement que tu bronzes. C'est qu'en fait, tu es en train de quitter ton état et te rapprocher de l'état du soleil qui est chaud, qui est brûlant, qui est bronzé. Et plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus tu passes du temps dans la parole de Dieu, dans la révélation de la parole de Dieu, dans l'adoration même, avec des leaders rouins, avec des frères et sœurs rouins, dans la prière, en regardant Fresh, ou à l'église dimanche, ou quoi que ce soit, plus tu es en train de quitter l'état que tu es là maintenant, l'état d'imperfection, et tu te rapproches de l'état ou de ce que Dieu a prévu pour toi. Vas-y, dis. J'aimerais dire en fait, la parole de Dieu, en vrai, l'usine de la formation, c'est aussi la parole de Dieu, comme vous l'avez dit, et la parole de Dieu, c'est comme un miroir, parce qu'elle te montre qui tu es et elle te montre en même temps qui tu vas devenir. Et qui tu vas devenir. Par exemple, si la parole de Dieu te dit que tu es une merveilleuse créature, pourtant tu n'as pas confiance en toi, là tu vois que en vérité je suis une merveilleuse créature, mais j'ai pas confiance en moi. Donc tu te dis en fait je dois prendre conscience de ce que je suis en fait. La parole de Dieu, c'est un miroir, elle te montre ce que Dieu veut que tu sois en te montrant ce que tu n'es pas encore mais ce que tu vas devenir. Et par rapport à la parole, c'est vraiment fort parce qu'il faut vraiment comprendre l'importance de la parole. La Bible dit que Jésus-Christ c'était la parole faite chair. Et la parole, en fait, Jésus-Christ c'était parfait. Donc si c'est la parole faite chair et que la parole c'était Dieu, ça veut dire que la parole c'est Dieu. Et donc la Bible va dire aussi que tel il est, tel nous sommes. Alors si nous devenons tel il est, donc tel la parole de Dieu est en fait. Et donc du coup nous devenons comme elle. Et à ce moment-là en fait nous devenons parfaits parce que la parole de Dieu c'est Dieu. Trop bien. En fait le truc c'est quoi? Comme tu dis William, c'est que il y a un lieu où la parole de Dieu est libérée. Vous savez guys, il y a une différence entre lire la Bible et vraiment dans la présence de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Il y a une différence. Voilà, c'est ton truc ça. Guys, on parle d'une usine de fabrication. J'aimerais vous dire cela. Vous savez, je prends l'exemple de vous tous ici. Je prends l'exemple par exemple dites-moi un serviteur de Dieu. David par exemple. Non. Si, on va prendre David. David est devenu un très très grand roi, un des plus grands rois de l'histoire. Mais David à la base, c'était le 8e frère que personne ne considérait. Vous comprenez ou pas? Qu'est-ce qu'il y a eu entre le David, le 8e frère, celui qui était en train de gérer les brebis de son père, qui puait la brebis, parce que les brebis ça pue, ça sent mauvais. C'est quoi la différence entre David le berger et David le roi? C'est entre-temps la formation. Mais regardez, Dieu, lorsqu'il voyait David le berger, Dieu voyait David le roi déjà. Vous voyez? Et celui que vous êtes là maintenant, qui vous êtes maintenant, Dieu voit bien au-delà de ça. Dieu a une vision et ça, vous devez le découvrir. Des fois, on ne croit pas à l'appel que Dieu a pour nous, à la vision que Dieu a pour nous, parce qu'on se dit, oh là là, mais moi là, mais comment je pourrais devenir ça? Comment en allant dans l'usine de la fabrication de Dieu? Il y a un lieu où l'orgueil devient humilité. Il y a un lieu où la haine devient l'amour. Il y a un lieu où l'amertume devient le pardon. Il y a un lieu où le péché devient la sainteté. Ce lieu-là, c'est la présence de Dieu. Là où tout est changeant en son contraire. La Bible veut dire qu'il appelle les choses comme si elles étaient alors qu'elles n'existent pas. Alors la perfection que tu n'es pas encore, il va l'appeler déjà alors que tu ne l'as pas encore manifestée. Il y a une bombe dans mes doses, mais allez, c'est bon.
Je rigole, exactement. Yes. Il nous appelle, yes. Il a une vision pour nous. My God. Alors que Moïse est là en train de tuer un Égyptien c'est comme ça, Dieu voit celui qui va libérer Israël d'Égypte. Alors que David est là comme ça en train de gérer les brebis, Dieu voit le roi d'Israël. Alors que Pierre est là en train de renier Jésus, Dieu voit... Pierre va renier Jésus trois fois en une soirée, mais quelques jours plus tard, des dizaines de jours plus tard, Pierre va gagner 3000 âmes en une prédication. Si il a renié Jésus trois fois en une soirée, il va gagner plus tard 3000 âmes en une prédication. C'est, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait toujours une vision pour lui. Dieu avait toujours une vision pour lui. J'aimerais dire, c'est pour ça qu'on doit aller dans la présence de Dieu, mais on doit aller aussi télécharger la vision de Dieu pour nos vies. En fait. Ça, c'est très bien. Parce que c'est vrai qu'on se voit comme on est là, mais lorsque tu vas dans la présence de Dieu, tu ne vas pas voir la même chose. En fait, tu vois transfiguration dans le surnaturel. Tu ne vois plus, Faustine, celle qui est là, mais tu vois une Faustine dans longtemps, en fait. La Faustine qui va lever des paralytiques, la Faustine qui va parler de Jésus. C'est là tu vois tout simplement que Dieu ne te voit pas là comme t'es. Toi, tu te vois comme t'es, c'est mais ça. Dieu te voit comme tu seras et comme t'es appelé à être. En fait, lui seul voit notre potentiel. Dieu c'est lui seul qui va exploiter ce potentiel. En fait, je dirais même que Dieu. Non, nous, on voit notre potentiel, mais Dieu voit le potentiel manifeste. En fait. Il sait déjà ce qu'il a fait de nous. Il sait déjà ce qu'il a fait de nous. C'est ça quand il dit à Abraham, je t'avais déjà établi père d'une multitude. Avant que tu sois formé, avant que je te forme dans le ventre de ta mère. Je t'avais consacré prophète. C'est que Dieu, à même notre naissance, voit déjà qui on est. Lorsque Jésus va naître, on va dire, voici la nanana qui ôte le péché du monde, le sauveur. Il était bébé, mais Dieu voyait déjà au-delà de ce qu'il était. Les hommes, nous, on voit ce qu'on est là maintenant. On voit remplir nos imperfections. Mais Dieu voit maintenant celui qu'on va au final être. Voilà pourquoi vous devez persévérer, vous devez vous battre, vous devez passer le temps dans la présence de Dieu. Vraiment. Parce que, guys, au-delà de celui que vous êtes, au-delà de celui que nous sommes, il y en a un que nous allons devenir. Et du coup, j'aimerais dire, mais lorsque Dieu même te choisit, il sait déjà que tu vas faire des erreurs. Il sait déjà que tu as des faiblesses. Il sait déjà que parfois tu vas tomber, en fait. Mais il t'a choisi. C'est comme David. Dieu savait déjà, en fait, qu'il allait faire ces choses-là. Mais en fait, il a dit, c'est l'homme selon mon cœur. C'est lui que j'ai choisi. C'est lui. Il va... Dieu va se révéler à Jérémie, on parlait de ça, et il va dire, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré prophète. Amen. Et Jérémie va dire, quoi? Moi? Un enfant? Mais je suis un enfant, mais je ne sais quoi, Dieu va lui dire, arrête de dire que t'es un enfant, parce que tu iras leur parler, et ta. Il a une vision pour la vie de chacun d'entre vous. Et du coup, c'est là qu'on voit que Dieu ne le voyait pas comme un enfant, mais comme un fils, en fait. Dieu ne le voyait pas exactement. Dieu le voyait bien plus mature que cela. Alors que nous voyons remplis d'imperfections, Dieu voit celui qu'on va devenir. Maintenant, entre les deux, il y a un temps de travail. Il y a beaucoup de personnes, vous savez, qui deviennent celui que Dieu les appelle à être au bout de 100 ans. Il y a d'autres au bout de 10 ans peut-être, d'autres au bout de 20 ans, bien que ce soit toujours une école. Mais ce qu'il faut entre les deux, c'est vrai, la patience. Mais la vérité, plus tu vas à l'école, plus tu apprends des leçons. Plus tu vas dans la présence de Dieu, plus tu es travaillé. Il ne faut pas se mentir. Tu peux être chrétien depuis 30 ans et un autre est chrétien depuis un an. Mais en un an, il est plus devenu celui qu'il est appelé à être que toi. Parce que toi, tu fuis l'usine. Parce que tu fuis l'usine de fabrication, l'usine de transformation. T'avais dit quelque chose, t'avais dit que en fait, en Christ, enfin avec Dieu, en fait, la mesure de temps, c'est le temps que tu passes avec Dieu. En fait, la maturité dans le monde, c'est le temps que tu passes sur la terre, mais la maturité selon Dieu, c'est le temps que tu passes avec Dieu. Le temps que tu passes avec Dieu, et pendant ce temps-là, t'es formé. Yes. Et j'écoutais une chanson qui disait, en gros, si j'avais pas connu l'échec, comment est-ce que j'aurais pu connaître la foi? Si j'étais pas tombée, comment est-ce que j'aurais pu connaître la grâce? Et je pense que c'est ça, si j'étais pas imparfait, comment est-ce que j'aurais pu connaître le Dieu parfait? Et comment est-ce qu'il aurait pu me perfectionner alors? Si j'étais pas tombé, comment j'aurais pu ne pas connaître la grâce? Ça, c'est trop fort. Ça, c'est incroyable, ça. Et c'est ça, en fait. C'est ça, la beauté de Dieu. C'est qu'il nous aime comme on est. Exact. Il nous aime comme on est. Et ce qu'il veut, c'est qu'on évolue, qu'on progresse. Ce qu'il veut, c'est qu'on... Maintenant, concrètement, comment faire pour se perfectionner en une minute? Je dirais se consacrer. Reste consacré. Moi, je reconnais d'abord, c'est... Reconnaître qu'on est imparfait, qu'on est imparfait, qu'on a des imperfections, et qu'on doit aller vers la perfection. Qu'on doit évoluer. Simplement se reconnaître, voilà, j'ai des défauts dans mon caractère. Lorsqu'on vient te dire, oui, tu as un défaut dans tel caractère, dis pas, vous ne savez pas qui je suis. Vous les persécutez. Vous êtes contre ma destinée. J'ai un appel, moi.
je suis un prophète, je suis un évangéliste. Non, pas du tout. Yes. On vient te dire, voilà, tu as tel défaut, tu les reconnais, tu les acceptes. Et j'aimerais que donner une petite clé, selon moi, pour évoluer. La Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, en vue de l'œuvre du ministère et du perfectionnement des saints. Guys, Dieu met des leaders sur votre vie dans le but de vous perfectionner. Et vous devez accepter les reproches de vos leaders. Vous devez accepter d'être repris par vos leaders. Vos leaders vous disent, non, ça c'est mauvais, tu devrais faire ça comme ça. Amen. Tu te tais et tu écoutes, tu obéis. C'est comme ça qu'on grandit dans les choses de Dieu. C'est comme ça qu'on grandit. Dieu met les leaders pour le perfectionnement. Lequel? Le nôtre. Celui de qui? Le nôtre. Pour l'évolution. Ton leader te dit, non, ça, Indira, c'est mauvais. Ou mon leader me dit, Rémi, ça, ce que tu fais, c'est mauvais. Qu'est-ce que je fais? Je me tais. Je dis, merci de m'avoir repris. Tu es en train de me perfectionner. Amen. Merci de m'avoir corrigé. Lorsqu'on me corrige, lorsqu'on me reprend, c'est qu'on me perfectionne. C'est ça. Parce que dans une discipline, il y a des maîtres de la discipline. Il y a des maîtres de la discipline. Il y a des maîtres. Qui a déjà appris le football seul? C'est ça. Oui. Et dans psaume 23, la Bible va dire ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ça me rassure. Quand on me reprend, ça me rassure. Pourquoi? Parce que je sais alors que on me reprendra plus sur ça si j'accepte et que je décide de changer. Donc c'est une grâce en fait d'être repris. Voilà. C'est une grâce d'avoir des cela. Personnes qui t'aiment assez pour te dire la vérité. Amen. Parce qu'en vrai, si on ne t'aime pas, on va te laisser être dans ton imperfection. Mais si on t'aime, on va te dire non, ça c'est mauvais. Amen. Et il faut reconnaître ça, il faut être humble. Souvent, non, on ne prend pas les reproches, les conseils, les je ne sais quoi, sous prétexte que non. Non, c'est mauvais et c'est de l'orgueil. Et ça nous garde dans nos bêtises. Frères, sœurs, chacun entre nous ici, que tu sois le plus grand évangéliste des United States. On a tous des imperfections, des défauts à corriger. Et c'est en écoutant nos leaders notamment. Donc, moi, je dirais que dans le... Je vais te donner la parole, t'inquiète pas. Il est triste. Je veux parler. L'usine de fabrication, regardez bien. L'usine de fabrication, c'est une école. Yes. Cette école, l'adresse, c'est en Christ, dans la présence de Dieu. Amen. Les leçons enseignées, c'est la parole de Dieu. Les leçons enseignées, c'est la parole de Dieu. Mais les maîtres, ce sont tes leaders. Yes. Et tu dois accepter les leçons. Tu dois accepter de passer du temps là-bas à l'école. Yes. Tu dois accepter les remontrances de tes maîtres afin de te perfectionner. Et ensuite, tu diras, je suis imparfait. Et alors? Pourquoi alors? Parce que je suis en train de me perfectionner tranquille, je sais. Tu relèves mon imperfection, mais dans quelques temps, tu relèveras ma perfection parce que je l'assume, et j'évolue. Tu voulais dire? Et c'est pourquoi il est vraiment important d'accepter avec humilité les reproches de nos autorités spirituelles. Parce que eux savent ce qu'on doit faire. Parce qu'ils savent exactement ce qu'on doit faire. Et ils sont passés par là. Et c'est eux, en fait, qui vont nous permettre de nous perfectionner par les remarques qu'ils vont nous faire. Et lorsqu'ils vont nous reprendre, ils vont nous dire « Frère, ce que tu fais, c'est pas bien. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. » Voilà. Et il faut accepter ça. C'est exactement ça. Il faut être humble. Pour écouter tout simplement, il faut être humble. J'aimerais faire un petit jeu avec vous. Okay. On va faire. Okay. Yes. Alors, le premier à avoir répondu a gagné. Je vais vous donner des tas de personnes qui ont commencé imparfait, mais qui ont fini soit vraiment bien avancé. Ok. Yes. Ok. Alors, je vais donner des devinettes. Ok. Vous-même derrière votre écran, vous pouvez jouer. Ok. Yes. Ah non, faut que je fasse un truc assez compliqué. Ok. Je suis né de la tribu de Benjamin. Pharisien. L'apôtre Paul. 1-0. Lorsqu'on est venu arrêter mon maître, j'ai sorti une épée pour le défendre. L'apôtre Pierre. Oh, 2-0. Oh, faut que je sois plus zé. Oh là 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 là. Mais qui est donc ce Philistin pour se tenir? David. Oh, 3-0. Oh là 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 là. C'est Indira ou c'est Zidane? C'est Indira ou c'est Zidane, hein? Et un, et deux, et Indira. Ces trois personnages-là, par exemple, sont des personnes qui ont fait un nombre d'erreurs incalculables. Mais au final, à force de passer du temps dans l'usine, regardez, un homme de Dieu disait cela. Il y a un truc avec David qui est incroyable. David va être dans le désert et il va dire: mon âme a soif de toi. Je ne sais pas si vous rendez compte à quel point c'est un truc de fou. Vous voyez à quel point, même dans le désert, il arrive à passer du temps avec Dieu. Il était dans l'usine de la fabrication, l'usine de la transformation, William. Tu vois? Et jusqu'à même dans le désert, il arrivait à être transformé, à évoluer. Et c'est vrai, en plus, il a même dit change mon cœur de pierre en cœur de chair. Il a dit, c'est celui qui va, Dieu, c'est celui qui va le transformer. C'est l'évolution, c'est la constante évolution. Voilà, c'est ça. C'est et on aimerait vraiment, à travers cette émission, que vous puissiez comprendre cela, c'est que dans les choses de Dieu, il y a un principe à comprendre, celui de l'évolution constante, celui de la progression constante. On progresse.
cesse toujours de gloire en gloire. Toujours. Celui que j'étais. Guys, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, parce que lui, il est parfait. Mais nous, on était hier, on est mieux aujourd'hui, on sera mieux demain. Parce qu'on est imparfait et parce qu'on progresse. Et il faut accepter ce processus. William, celui que tu étais hier, c'est pas le même qu'aujourd'hui. Tu es meilleur qu'hier, mais moins bon que demain. C'est ça la phrase à se dire. On progresse constamment. On progresse constamment. Meilleur qu'hier, mais moins bon que demain. Meilleur qu'hier, mais moins bon que demain. On progresse constamment. J'ai fait une erreur hier, c'est pas grave, demain je la referai pas. J'ai refait l'erreur aujourd'hui, et ben je la referai pas demain. Et on progresse constamment et on se rapproche petit à petit de celui qu'on est appelé à être. Et on va clôturer en vous disant cela, c'est que vous avez une grande destinée, vous avez un grand appel. Dieu a des projets de bonheur pour vous. Dieu veut vous utiliser. Dieu a des projets remplis d'espérance. Dieu a un avenir véritablement pour vous. Dieu a un plan. Dieu a une image de celui ou celle que vous êtes appelé à être. Et en passant du temps dans l'usine de la fabrication de Dieu, vous allez tout simplement y arriver. Vous allez y arriver, vous allez devenir celui que vous êtes appelé à être. Mais avant d'entrer dans l'usine, il faut reconnaître qu'on a des imperfections à travailler. Parce que personne ne va à l'école s'il n'a rien à apprendre. Reconnaissez que vous avez des imperfections, que vous avez des choses à apprendre. Allez passer du temps dans la présence de Dieu. Vous verrez que l'orgueil deviendra humilité, que le péché deviendra sainteté, que la haine deviendra amour, que l'amertume deviendra pardon. Et comme tu as dit, je suis imparfait et... alors ? Pourquoi on dit ça ? Parce qu'on l'assume. Et qu'est-ce qu'on fait ? Du coup, on va dans... La présence de Dieu. L'usine. Sur ce, guys. Allez dans l'usine, passez le temps dans l'usine de la transformation. Le lieu où tout est possible. Le lieu où le pécheur devient pécheur d'homme. Le lieu où... le lieu, le persécuteur de l'église devient celui qui est persécuté au final. Voilà, allez là-bas. L'usine de la fabrication. Et comme tu parlais de la... Bon, allez, on prend deux minutes encore. Comme tu parlais tout à l'heure de l'apôtre Paul, my God, mais c'est dans la présence de Dieu qu'il y a eu un changement radical. C'est tout. Le changement se fait où, Cameron? Dans la présence de Dieu. Guys, il y a un lieu, il y a une sphère, il y a un endroit, il y a une ville, il y a un pays, il y a un monde, il y a un domaine, William, dans lequel on est changé, c'est la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que aussi, c'est l'atmosphère du parfait, en fait. C'est l'atmosphère du parfait. Regarde, même pour rebondir ce qu'elle disait tout à l'heure, elle dit, Dieu prend les choses folles du monde pour confondre les sages. Regardez bien, Dieu prend les choses folles du monde pour confondre les sages. Mais pour que Dieu confonde pour que Dieu confonde des sages avec des choses folles, il faut déjà qu'il améliore les choses folles. Mais si Dieu prend les choses folles, il les met où s'il les prend? Dans sa présence. Dieu prend les choses folles, il les met dans sa présence, il les transforme dans sa présence. Et quelques temps après avoir passé du temps dans la présence, dans l'usine, il présente les choses qui étaient folles aux sages. Les sages disent, c'est nous-mêmes qui sommes fous maintenant. Alléluia. Mais même il y a un moment, je crois que... il y avait des gens qui disaient, mais l'apôtre Paul, c'est pas celui qui persécutait les gens. Il ne comprenait pas. Par rapport aussi à Étienne. Étienne, quand les personnes venaient regarder Étienne, ils disaient, mais la sagesse, on comprend pas, ça vient d'où? Quand Jésus faisait des miracles, mais c'est pas le fils de Marie là? C'est pas le cousin de Jimé là? De Jimé, de Jean-Baptiste là? De Jimé, le fils d'Elisabeth là? C'est le fils d'Elisa? J'imite quelqu'un qu'on connaît, il dira, c'est pas le fils d'Elisabeth là? C'est pas lui là? C'était lui, mais il avait quelque chose d'amélioré. Il était dans l'usine. La Bible dit qu'il se levait très tôt, il devançait l'aurore. Il allait dans l'usine. Il passait de naturel à surnaturel. William, un mot de la fin. Ah, le mot de la fin. L'usine. Faut qu'on fasse une émission l'usine. Je pense aussi. L'usine. Parce qu'on parle souvent de progression, mais il faut vous dire comment progresser. Et au-delà de comment progresser, où progresser. Il y a un endroit où on progresse, il y a un endroit où on est restauré. Un chirurgien, il va jusqu'à transformer ton cœur même. Jusqu'au plus profond de toi, en fait. Amen. Et dans l'usine, il y a plusieurs étapes. C'est dans l'usine, et je terminerai juste en disant cela. On parlait de la vie active. Ce matin, on s'est appelé. On a prié. Et quand on a prié ce matin, on a parlé du renoncement à soi, tout ça. Et la présence de Dieu était là. La parole de Dieu est rentrée dans notre cœur véritablement. La présence de Dieu nous a remplis. Et c'est là alors on en ressort transformé. C'est là. C'est pas dans je vais changer si Dieu le veut. Non, c'est en allant dans l'usine de la transformation. Bref, on fera une émission sur l'usine. On espère que ça vous a béni. Le public, ça vous a béni ou pas? Merci Willy Big, merci Faustine, merci Cameron, merci Ndaya, et c'était Rémi de la Iglesia sur Fresh. Guys, stay blessed, stay fresh!
Si cette émission t'a béni et que tu veux tout simplement soutenir la chaîne Évangile TV en faisant un don, le PayPal s'affiche maintenant et les coordonnées bancaires s'affichent également. Ou sinon, si tu n'as pas l'occasion de le faire via ces moyens, tu peux contacter le numéro suivant 06 36 91 21 74 pour le faire. Et en tout cas, merci à toi.